Bonjour à tous, on se retrouve pour notre petite vidéo hall, salon, house, Chambéry, quotidienne, si tout va bien, vous l'aurez demain matin. Bon, il est 22h, donc j'espère qu'elle aura le temps de charger correctement ce soir. Ça dépend des jours, vraiment. Alors ça, je n'ai pas trouvé de règles précises concernant pourquoi des fois ça charge et des fois ça charge pas. On aperçoit petit Roméo, là, qui squatte tranquillement... La chambre, est-ce que je peux vous montrer réglisse la fenêtre? Non, je ne vais pas réussir à vous le montrer. Bon, il est par là aussi. Il est juste à côté sur le lit, les pattes écartées. Bon, on s'en fiche. On est là pour parler aujourd'hui de mon chouchou Graffiti Girl. Alors, j'ai passé très peu de temps. Sur le site de Graffiti Girl, bah évidemment, j'ai essayé de passer un peu de temps sur d'autres sites, enfin sur d'autres boutiques, donc forcément, hein, c'est pas le temps n'est pas extensible. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Dans l'idée de me faire un badge, mais vraiment à finalité de badge. J'ai pris ce badge avec l'épingle pour les prochains salons. Ça fait un moment que je veux m'en fabriquer un. J'avais un truc en plastique, un truc en machin, un truc en bidule. Du coup, ticket de carte bleue, ça fait pas plaisir, ça. On ne regarde pas. Je voulais me faire un badge. Et là, le support est sympathique. Avec notre assos, l'assos dont je fais partie... Près de chez moi, on a travaillé sur des badges et tout ça, donc j'ai un peu appréhendé la technique. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me rater, mais ça veut dire que... Enfin, bien que je ne me souviens plus, c'était quoi la technique pour pas que ça bouge. Ça me reviendra probablement. Donc voilà, dans l'idée, prochain salon, un badge tout fait par moi sur ce support. Alors, la nouvelle collection. Mais à culpa, Clem, il s'agit de la collection Rod Trip. Donc, les prochaines bêtises que je vais dire, ne les écoutez pas. Rod Trip. Toute la collection, un peu moins les papiers. Alors, je le dis parce que je ne les ai pas pris. J'ai compensé, hein. Je n'ai pas pris les papiers de la collection. J'ai pris un autre bloc de papier. Parce que la collection est magnifique, les couleurs sont magnifiques, tout est magnifique, mais il y a des papiers qui sont réalistes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par réaliste, une photo de paysage, et ça, moi, ça me bloque complet le mélange de la réalité et du scrap. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, maintenant, à la réflexion que je vous dis ça, je me dis que c'est un peu ce qu'on fait au final, en mettant une photo sur un fond divers et varié. Donc là, j'aurais pu faire l'inverse et me servir de ces photos et faire de l'art journal en mettant des petits personnages. Ça aurait fait le même décalage quelque part. Mais j'y ai pas pensé, j'en ai pensé que maintenant. Bref, donc j'ai pris les papiers de la collection Scoop. Ah, donc vous avez à peu près toutes les teintes là. Hop, je vous les montre pas... beaucoup plus que ça. Vous avez pu voir dans mes précédents hauls que le jaune, qui à la base n'avait pas du tout une couleur de prédilection, et ben là cet été j'ai envie de jaune, donc hop, on se fait plaisir. Donc ça, c'était ce qui était hors collection Globetrotter. C'est pas Globetrotter, je vous dis n'importe quoi. Globetrotter, c'est Schoenflower. Oh, mais je dis n'importe quoi. Road Trip, pardon. Clen, je suis désolée. Bon, on recommence. On fait comme si tout ça n'avait pas existé. Donc, la collection Road Trip de Graffiti Girl. Donc, j'ai pris la planche d'étiquette. Hop. Vous voyez que les teintes sont super jolies. La planche d'étiquette, donc thème road trip, une excursion à couper le souffle, parcourir des terres lointaines, etc. etc., etc. Je ne vais pas tout vous les dire. Vous aurez l'occasion de les revoir sur mes créations plus tard. Et la planche de die cut à découper avec les plaques qui sont trop, trop jolies. Voilà.
Hop, j'ai eu en cadeau deux jeux d'étiquettes. Donc celui-là, avec une petite ananas que j'adore. Les valises, le sac. Le sac de rando, enfin rando road trip. Voilà. Et des petits cocktails. Ensuite, j'ai très très hâte de les tester. Ce sont les pochoirs A5. Donc il y en a sorti deux cette fois-ci. Donc il y a boussole. Regardez comme c'est beau. J'ai déjà plein d'idées, mais bien sûr, je n'ai pas testé. Hein. Et on est déjà vendredi. Déjà une semaine qu'on a fait la montée des marches. Hop, et le timbre. Voilà, pareil. Donc je ne manquerai pas, alors pas demain, mais dimanche après le ménage, je testerai tout ça. Enfin tout ça. Au moins Graffiti Girl. Voilà. Alors après, je vais essayer de ne pas m'embrouiller. Bon, celle-là s'appelle Road Trip, donc je ne me tromperai pas. Tac. Les petits personnages sont trop choupis. Voyage. Le tube d'Audrey. Voilà. Mais après. Après. Si peut-être. Après, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas si c'est la collection Road Trip ou si c'est les collections précédentes. Je vous inviterai à aller voir sur le site. J'ai pris ce qui me plaisait, que je n'avais pas et qui était dans le thème du moment. Une valise. Donc celui-ci s'appelle Vadrouille. Hop. Je vous mettrai en miniature, je pense, la photo de mon Polaroid que j'ai offert à Laure. Vous savez, il y avait un concours Pola. Bien évidemment, je l'ai fait dans la chambre d'hôtel, mais je ne l'ai pas déposé dans les délais, puisqu'il y avait une date limite, évidemment. Et moi, bien sûr, je n'y ai pas pensé. Donc, je l'ai offert à Laure le soir avant de partir. Et j'ai utilisé, hop, celui-là. Donc, je vous le mettrai en miniature et peut-être là, quelque part, si j'arrive à faire un truc dans le genre. Ensuite, j'ai pris le tampon voyage. Je m'imaginais bien là avec tac sur la carte faire des petites destinations. Je trouve que ça va être super sympa. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me tamponner des petites cartes comme ça d'avance, de manière à être prête tac. Enfin voilà, c'est dans ma tête comme d'hab. Voilà. Et enfin, le kit de plage. Donc, j'ai également une passion pour les cabines de plage. Et hop, celle-ci est trop trop jolie. J'ai hâte de l'essayer et de voir son rendu parce que au final, ça c'est sûr, c'est une ancienne collection, hein, je pense. Je dis c'est sûr et après je dis je pense. Donc, mais. Voilà, je vais pas regarder sur mon téléphone puisque mon téléphone est là. Ça m'embête de vous avoir donné des informations complètement erronées. Bon, je me suis rattrapée. Hein. Road trip et non pas Globetrotter. Voilà, bon, l'esprit des collections d'été sur le thème vacances. Je regarde mes papiers scoop parce que je les avais encore pas bien vus. Et le pola, je peux pas vous le montrer non plus puisque je ne l'ai plus, mais je vous le mettrai en photo. Oula. Oui, il est 22h, hein. J'ai pas la même énergie qu'hier à 18h, vous voyez. De suite, c'est pas pareil. Mais bon, ça va bien se passer. J'aimerais vous dire que ça touche à sa fin, mais non. J'ai encore Sokai, j'ai encore Comptoir du Scrap, j'ai encore Carabelle, je ne l'ai pas fait encore. En plus, je ne sais même pas déjà ce que j'ai fait. Je vais être obligée de regarder ma playlist pour voir ce que j'ai déjà fait. Non, mais en principe, j'avais dit que je rangeais quand j'avais fait le haul, je l'ai placé.
J'ai dit tellement de bêtises depuis le début de la vidéo que en fait j'ai été perturbée, j'ai oublié de vous présenter les masking tape. Donc le travel, hop là, avec les cartes là, comme ceci, et les petits tickets. Là, on est prêt là. Voilà, donc vidéo catastrophe, mais voilà, je vous laisse avec la suite de moi-même. Voilà, et je, si voilà, je sais. Alors, on va voir un peu le bazar derrière. Mais bon, c'est la vraie vie. Hop, j'ai fait une petite création avec de Nîmes tampons. Bon, c'est dommage, je voulais montrer les créas pas sur les bonnes vidéos, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous voyez que je m'en sers. Enfin, j'essaye de tester tout de suite un petit quelque chose. Donc là, j'ai fait ça. C'est en train de sécher parce que j'ai mis des drops, des dots, voilà. Donc voilà. Bon, la Graffiti Girl, je sais que je testerai pas ce soir, donc dans la prochaine, dans la vidéo de demain, c'est sûr, il y aura pas du Graffiti Girl, mais je le ferai dimanche. Il reste encore Happy Little Fox, Happy Little Fox, Ok, Carabelle, Comptoir du Scrap. On y est jusqu'à l'année prochaine. Hein. Non, je plaisante. Il faut que j'ai fini avant les soldes. Bon allez, j'arrête mes bêtises, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain, bye bye.